Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, nous sommes venus parler de Jérémie chapitre 5, verset 12 à 31. Nous prenons, partant du verset 12, ils disent que Dieu n'existe pas. Et comme Dieu n'existe pas, aucun malheur ne viendra passer eux. Et quand vous l'avez déclaré, Dieu aussi a dit au verset 13, et comme vous l'avez dit, vous serez des bois, sa parole dit feu, pour vous consumer, parce que vous niez l'existence de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, pourquoi Dieu n'existe pas? Il faut savoir que Dieu existe. Il ne faut pas que nous attendions sa colère, parce que sa colère est impardonnable. Et parce que vous l'avez dit, l'Éternel aussi a déclaré, même chapitre verset 15, qu'il a une autre nation des loin, et qu'il fait venir cette nation contre eux, celle-là qui nie Dieu. Tu ne connais pas sa langue, et tu ne comprends pas, et tu ne comprendras pas ses paroles. Quel est ce peuple? C'est le peuple noir. Comment? Parce que, disons d'abord au verset 5, du même chapitre, j'irai vers les grands et je leur parlerai de leur Dieu. Les grands, c'est qui? C'est moi et toi, noir. Pour noir. Pourquoi et comment? Si nous rentrons dans Genèse, chapitre 5, verset 32, tu vas comprendre comment on dit que Noé a mis au monde trois fils, dont Sem, Cam et Jacob. Maintenant, Sem, le premier fils là, il était noir. C'est celui qui a pris la nudité de son père. Et nous sommes de sa descendance, nous les noirs. Donc c'est nous qui sommes les grands, tel que la Bible a dit qu'il faut que je parle chez les grands. C'est une nation que vous ne connaissez pas, nous les noirs, les blancs ne nous connaissez pas. Hein? Ils ne comprendront pas notre langue, ni nos paroles. Et c'est pourquoi ils étaient venus pour voir quelle est cette langue, que cette race, cette race. Maintenant, c'est là qui dit que Dieu n'existait pas. C'est les blancs en général, ce sont eux qui ont dit. Ce sont les blancs qui nous disent que Dieu n'existe pas et Dieu ne peut jamais être noir. Et c'est là pourquoi, Jésus-Christ était parti chez les juifs, tous des blancs, pour aller prendre son royaume qui y était et venir le déposer ici en Afrique, au Congo. Peuple Congo, soyez très vigilants. Et alors, quand il est parti prendre ce royaume, c'était pour venir et le installer aux ayants droit. Nous qui sommes des ayants droit, nous les noirs. Les blancs, voyant que le Saint-Esprit est noir, ils ont dit non, je ne peux pas adorer un noir. Et c'est pourquoi, et c'est là où est venu le conflit qui a causé qu'on chasse Satan du ciel pour qu'il soit venu ici. Parce qu'il a refusé que je ne peux pas adorer un noir. Le Saint-Esprit est noir, je ne peux jamais l'adorer. C'est pourquoi. Il faut savoir que nous, les noirs, nous sommes d'origine. C'est nous que Dieu a créé. Dieu a créé Adam. Pas une autre personne. Et Adam était noir. Donc c'est nous qui sommes d'origine. C'est nous que Dieu a créé. C'est moi qui a sachez que c'est les noirs qui vont l'hériter. Maintenant, vu que nous avons détruit son programme, il nous a donné d'abord une commission jusqu'à notre quatrième génération. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, il est venu nous récupérer. La première génération, Adam. La deuxième génération, Caïn. Où est ton frère? Suis-je son gardien? Dieu lui a donné une punition. Nous, toujours les mêmes. Troisième génération, Noé. Sem a la nudité de son père. C'est lui le noir. Toujours ma déduction. Quatrième génération, qui? Esaü et Jacob. Il a vendu sa naissance à cause de la nudité. Voilà, maintenant, il est venu nous récupérer. Pour nous pardonner. Mais, étant que cette nation ne les connaît pas, au verset 9, il a dit, je me vengerai à une pareille nation. Et comment sera sa vengeance? Écoutons bien, au verset 17, pardon, au verset 17, il a dit, elle dévorera ton pain et moisson, tes fils et tes filles, tes brebis et tes bœufs, vignes et figuier. Et détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Nous, les noirs, nous confions beaucoup aux blancs. Nous ne pouvons faire une chose sans eux. Maintenant, allez voir ce qui s'est passé là-bas. Si nous prenons, exemple, France, Italie, Amérique,
sont dans le grand Chine, le grand Boudon, nous savions que ça existait. Et c'est là où nous mettons notre confiance. Mais allez voir maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait là? C'est pour montrer sa colère. À quelle race? Blanche. Parce que c'est là où il a frappé beaucoup. Mais, qu'est-ce qu'il dit au verset 18 jusqu'au 19? Il ne détruit pas totalement en fait que vous réfléchissez et demandez pardon. Donc, il ne va pas détruire cette ville complètement. Il va d'abord fouetter. Après, si vous aurez une mémoire pour réfléchir, en fait que vous partez demander pardon. C'est ce qu'il entend. Et si vous demandez pardon, et si vous demandez pourquoi l'Éternel a fait ceci, comme vous m'avez abandonné et vous avez servi des dieux étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Maintenant, ici aussi, nous les noirs, nous devons faire attention. Pourquoi? Nous aussi, les peuples Congo, nous sommes concernés car nous servons des dieux étrangers au Congo qui n'est pas notre pays. À nous de nous convertir avant sa colère contre nous, car nous avons péché devant nous. Ce n'est pas notre pays. Il a souffert pour que nous ayons l'indépendance. 30 ans de prison belge. Qui était là pour aller faire ça? Et puis, nous aussi, les Noirs, nous nions que non. Il ne peut pas être Dieu. Donc, nous aussi, nous nions que nous aurons le même sort. Tel qu'il a dit en Jérémie. Lisons ces versets bien. Jérémie 5, 12 à 31. Lisons bien. Et demandez pardon, s'agenouiller. Donc, allons s'agenouiller devant Papa Simon Kimbala Kiambani, en Kambala, de Jérusalem, pour que nous ayons son pardon. Sinon, ça sera trop dur pour nous ces jours-là. Au verset 20, qu'est-ce qu'il a dit? Ne châtirai-je pas ces choses-là? Dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas des pareilles nations? Pourquoi se venger? Il s'est vengé pourquoi? Lisons verset 20 jusqu'au verset 28. Quand l'autorité des dieux n'est plus reconnue, qu'on transmette des messages aux descendants de Jacob, qu'on les fasse entendre aux gens de Juda, dit le Seigneur. Quels sont les descendants de Jacob? Ce sont des blancs. Écoutez donc ceci, peuple trop bête pour comprendre. Vous qui avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Des oreilles, mais vous n'entendez rien. Ne reconnaissez-vous pas mon autorité? Demande le Seigneur. Ne tremblez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné le sable pour limite à la mer, frontière définitive qu'elle ne saurait pas franchir. Et là, des beaux s'agitaient, ils n'y trouvaient quoi? Ces vagues ont beau mugir et ne peuvent pas passer. Mais vous, vous êtes un peuple à l'esprit endossier, un rebelle. Vous faites défection et partez au lieu de dire, nous devrions reconnaître l'autorité du Seigneur, notre Dieu. Il nous a donné la pluie quand il faut, à l'automne et au printemps. Et nous assure chaque année la semaine de la moisson. Vos torts ont perturbé tout cela. Vos fautes ont fait obstacle à ces biens. Dans mon peuple, en effet, il y a des gens sans foi ni loi. On dirait des chasseurs d'oiseaux en pupille embuscade. Ils ont dressé les pièges pour capturer des hommes. Comme l'étage plein d'oiseaux, leurs moissons sont remplies de ce qu'ils ont pris par fraude. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Gros et gras, il n'y a pas de limite à leurs méfaits. Ils ne rendent pas la justice et ne font pas le droit à l'orphelin. Sinon, il y aurait grain des causes. Ils ne tiennent aucun compte des droits des pauvres. Vous avez compris ce qu'on a fait. Ne tiennent pas compte des pauvres. Trop de choses en sont dites là-bas. De Jérémie 5, 12 jusqu'à 31. Même faire des pas, commencer même des 1 pour comprendre comment il a commencé des 1 jusqu'à 31. Pourquoi nous ne devons pas raisonner? Donc, il vaut mieux que nous tous nous partons demander pardon à notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas d'autre.
il est le commencement et la fin. Si je tiens à vous interpeller, mes chers frères et sœurs, à faire attention. Si vous m'avez bien compris, à la prochaine vidéo, nous allons parler de l'incarnation de Christ à la race noire. L'incarnation du Christ à la race noire pour comprendre comment il est parti prendre cette autorité et comment c'est arrivé sur l'air blessé. Alors, mes chers frères et sœurs, écoutons pour que nous ne soyons pas victimes. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, bonne fête à tous les papas du monde entier, les témoignistes, mes papas, et aux témoignistes en général. Merci et bonne fête.